Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, on va ouvrir pas mal de poupées Hairdorables, mais on va d'abord commencer par cette poupée LOL Hairgirls, juste pour les comparer. On a un message ici. Des autocollants. Et là, nous avons la poupée. Ah, je crois qu'on l'a déjà eue, celle-là. Effectivement, on l'a déjà eue, elle est super mignonne. Elle a une jolie queue de cheval derrière. Un serre-tête. Un petit ensemble. Des bottes, un peigne blanc, et sa jolie bouteille à pois. Et la voici tout habillée. Elle est adorable celle-là, et apparemment elle aime beaucoup le rose. Et elle s'appelle Snow Bunny du Chill Out Club. On va maintenant ouvrir la première Hairdorable. Donc déjà, ça se présente différemment. Et là, nous avons la poupée, qui est très mignonne. Je crois qu'on l'a déjà eue, celle-là. Reine. Là, elle a son peigne. Ses rollers. Une mèche avec une petite barrette. Et une grande sucette. Et la voici tout habillée. Elle est trop, trop mignonne, celle-là. Et la voici à côté de la poupée LOL. Donc, on voit qu'elles ont toutes les deux des accessoires. La poupée LOL est bien sûr plus petite, mais aussi mignonne. C'est vraiment difficile de choisir entre les deux. Dans cette série 1 des poupées Hairdorables, il y a 12 poupées en tout, avec 3 tenues chacune, donc ça fait 36 en tout. Elles ont chacune des personnalités différentes, des goûts différents. Et ce qui est bien, c'est que chaque poupée a 3 tenues, donc ça c'est pas mal. Les voici toutes. Et il y a aussi des poupées rares et très rares. C'est parti pour la deuxième Hairdorable. Voici la poupée, elle aussi. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vue celle-là. Harmonie. Voici son peigne. Ses bottes. Elle a un trophée, donc je me souviens très bien du trophée. Et un casque. Et la voici tout habillée, portant son trophée. Avec de très beaux cheveux. Troisième poupée. Celle-là, c'est une nouvelle poupée. Super! Elle a de beaux yeux et elle a les cheveux de deux couleurs différentes.
et elle s'appelle Skyler. Voici son peigne, argenté. Elle a de jolies tongs. Un appareil photo. Et une valise. Donc apparemment, elle voyage. Et on peut ouvrir l'appareil comme ça et le mettre autour de son cou. Et la voici, toute prête à prendre l'avion. Skyler. Elle voyage de par le monde. Prochaine poupée. C'est génial car elle non plus, on l'a pas encore eue. Cette poupée s'appelle Sally. Et apparemment, c'est une artiste. Voici son peigne. Ses petites chaussures. Elle a un canevas. Et une mèche. Avec une petite barrette. Et la voici avec ses accessoires. Elle est vraiment mignonne. Elle nous dit que sa couleur préférée, c'est un canevas tout blanc. Et elle adore s'exprimer. Prochaine poupée. En voici une nouvelle. Très belle elle aussi. Elle s'appelle Willow. Et regardez ses cheveux. Je ne sais pas si ça se voit, mais ils sont blancs, roses et mauves. Très très beau. Et c'est une fashion designer. Elle aime la mode. Voici son peigne. Des bottines ou des baskets avec des ailes derrière. Une petite licorne. Et un serre-tête de licorne. Et la voici avec tous ses accessoires. Elle est très très mignonne. On continue. Et voici une autre poupée, celle-là on ne l'a pas encore eue. Ah, c'est en fait la même, mais sauf que celle-ci a une autre coupe et d'autres vêtements. Et c'est toujours Willow. Et son peigne est aussi d'une couleur différente. Elle a de jolies bottes. Un sac en forme de licorne. Et le serre-tête. Et la voici tout habillée. Et je crois que je la préfère comme ça. La voici dans l'autre tenue. Effectivement, je préfère la robe. Très très mignonne. On continue avec la prochaine. Celle-là non plus, on ne l'a pas encore eue. Elle s'appelle Callie. Et elle aime le violet.
Voici son peigne, ses bottes, un petit chien, et des lunettes. Et la voici tout habillée. Waouh, elle a un look du tonnerre, celle-là. Et elle peut tenir son chien. Kali, fan d'ultraviolet et de technologie. Prochaine poupée. Ah, on a une autre poupée qu'on n'a pas encore eue. Et celle-ci est vraiment très belle. J'adore ses couleurs. Et elle s'appelle Didi. Et je crois qu'on l'a déjà eue dans une autre tenue. Voici son peigne, ses chaussures de deux couleurs différentes, une petite barrette en forme de nounours, et des lunettes en forme de cœur. Et la voici tout habillée. Alors elle est super belle. Je crois vraiment que c'est ma préférée, Didi. On continue. Et celle-là non plus, on ne l'a pas eue encore. Elle aussi, elle est super mignonne. Comment elle s'appelle? Brit. Elle a l'air d'aimer le foot. Son peigne. Qu'est-ce qu'elle porte là? Des chaussettes et des claquettes. Une mèche avec une barrette en forme de ballon de foot. Et un thermos. Et voici le décor dans lequel elle était. On ne l'a pas encore vu celui-là. Et la voici tout habillée. Elle est vraiment très belle, elle aussi. Et je crois qu'on l'a déjà eue dans une autre tenue. Prochaine poupée. En voici une autre nouvelle. Et c'est encore Kali, mais dans une autre tenue. Elle a un peigne rose, des chaussures, une mèche, et un hoverboard. Et la voici avec ses accessoires. Elle a de très très belles couleurs. Une grande sportive. Prochaine poupée. Très très jolie poupée qu'on n'a pas encore eue, ou plutôt on l'a eue mais dans une autre tenue. Noah. Je me souviens de ses cheveux bleus. Voici son peigne,
ses tongs. Ses lunettes. Et une grande casquette. Et la voici toute habillée. Elle aussi, elle est super mignonne. J'aime beaucoup son style. On va maintenant passer quelques minutes à revoir rapidement toutes ces jolies poupées. Mettez un like à cette vidéo si vous l'avez bien aimée. Et aussi abonnez-vous. Il y aura plus de vidéos comme ça très bientôt sur Madame Récré. Ciao !